Linda Christelle. Heureusement que souffrir, c'est pas mourir. Allô, Monsieur Bernard? Ce soir, je passe récupérer mon argent ou c'est la police qui va trancher cette affaire. Bonjour, Monsieur Albert. Oui. Je reconnais que je vous dois, monsieur, sincèrement. Bon, c'est-à-dire que je vous rembourserai votre argent dans quelques heures, monsieur. Mon ami, ça ne sert à rien, votre voix de renard. C'est-à-dire que... C'est-à-dire quoi? Je veux mon argent 1.3. Bon, je vous rembourserai dans quelques heures votre argent. Promis. Oui. Non. 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 Non, monsieur. Allô? 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 Oui, allô. Oui, monsieur Albert. Je ne passe plus ce soir, mais dans 2 heures de temps. Mais... C'est comme vous voulez, monsieur.
putain de réveil. Oui, allô? Allô, monsieur Aristide Zacco? Oui, c'est bien monsieur Aristide Zacco. Vous avez été retenu... Oui, oui. Oui, oui. Une avance de 10 millions vous sera versée. Très bien monsieur. Ouais. Bon, je suis là toute la journée. Ce soir, je ne sortirai pas, je serai là. Alors, rendez-vous dans une demi-heure. Ok. Dans 30 minutes, ça marche monsieur. Bon, je serai là pour la finalisation de la signature du dossier. Ok, merci bien, à tout à l'heure. Waouh! Hey! Il va m'entendre, ce monsieur Albert. Comme ça, te prend pour, comment dirais-je, je ne sais quoi, puis tu me sermons, tu me traites de voleur. Où est-ce qu'il a mis son portable? Allô? Monsieur Albert? Qui est-ce? Ok, très bien. Bon, dans une heure, je vais passer prendre votre argent, ok? Et puis, je ne veux plus vous voir dans ma maison. Je ne veux plus vous voir dans mon bureau aujourd'hui, demain et après-demain. Non, 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 non. Écoutez, c'est moi qui vous a appelé. C'est moi qui vous a appelé. Est-ce clair? C'est moi, monsieur Zacco, qui vous a appelé. Vous me traitez de n'importe quoi, de voleur, je ne sais quoi. Et puis, vous publiez mon nom partout dans la presse. Comment dirais-je, je ne sais quoi. Écoutez. Écoutez, monsieur Zacco. Vous emmerdez. Est-ce que vous pouvez m'écouter au moins? Voilà, je dis, vous passez prendre votre argent dans une heure du temps. Et puis, un point très, je ne travaillerai plus avec vous aujourd'hui ou soit demain. Et puis, je ne veux plus entendre mon nom dans votre sale bouche, vous avez compris? Okay. Voilà. Que la fête commence. Abidjan, Abidjan. Abidjan, c'est la terre des affaires. Abidjan, plus de place pour leur misère. Abidjan, aux hypocrites je fais la guerre. Abidjan, Abidjan. Oui, allô. Ah, vous êtes déjà au Grand Carrefour, hein? Bon, dites au chauffeur de taxi que... Merde, t'as pas me lâché là? Problème de batterie. Oui, allô? Oui, monsieur, c'est Aristide Zacco. Bon, excusez-moi, parce qu'en fait, mon portable était déchargé, là. Donc, c'est ce qui expliquait l'interruption de notre conversation. Désolé, monsieur Zacco, votre comportement n'est pas digne de confiance. Le marché vous est retiré. Pardon? Je vous en prie, monsieur Zacco. Mais, monsieur... Thank you.
Monsieur Albert, ok, très bien. Pendant une heure, je dois vous passer prendre votre argent, ok? Et puis, je ne veux plus vous voir dans ma maison. Je ne veux plus vous voir dans mon bureau aujourd'hui, demain et après-demain.